Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plein de petits trucs que j'ai reçus, des hélices, de la gaine thermo, des fils, fer à souder. Et donc plein de petits trucs comme ça, je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Allez c'est parti. Je voulais aussi vous dire que j'étais désolée pour mon absence sur YouTube ces deux derniers mois. Parce qu'en fait, premièrement je suis chez mes grands-parents en vacances. Et que deuxièmement, je peux pas voler, donc je peux pas vraiment faire de vidéo parce que comme je vous l'avais dit, mon drone ne vole plus à cause du connecteur. Et donc ça, je le reçois que dans un mois encore, en septembre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a assez peu de vidéos en ce moment. Et donc, sûrement la même chose jusqu'en septembre. Et en septembre, en plus, c'est la rentrée, donc sûrement une vidéo tous les week-ends. Ok, donc aujourd'hui, on va parler... de cette boîte de gaine thermo. Les hélices, c'est les IMAX Avan Rush. Des bobines de fil comme ça. Donc, et un fer à souder. Et aussi une petite boîte d'écrou. On va commencer par parler du fer à souder. Premièrement, le fer à souder en lui-même. Donc, qui est branché sur prise secteur. Avec un truc on-off comme ça. Et une petite roulette pour régler la température, donc on peut aller de 200 degrés à 450. Ouais, ok. Et donc ici on a une pointe assez fine, qui est pas mal du tout. Mais sinon si on n'aime pas cette pointe, on en a 5 autres qui sont livrés avec. Donc c'est pas mal, donc une pointe très pointue ici, jusqu'à une pointe assez épaisse. Un stand pour mettre le fer à souder avec une petite épée. Une pompe à dessouder, comme ça. Donc on appuie et hop, et un petit peu d'étain, comme on peut le voir. Et on a aussi une petite pince. Et comme je vous le disais, j'ai aussi acheté une petite tresse à dessouder. Donc ça c'est pour... c'est un peu comme la pompe à dessouder, et donc c'est pratique. Ensuite on va parler de cette petite boîte d'écrous en nylon. Donc comme je vous le disais, c'est des petits écrous de taille M2. Donc ici j'ai des espèces de colonnes, des petites colonnes. Là, des tailles un peu plus grandes en colonnes. Là, des très grandes colonnes. Ça, celle-là, je crois que c'est une taille au-dessus encore. Ici, on a des petites vis. Là, on a des petits écrous. Donc, c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. C'est pour pouvoir visser ces écrous sur mon drone. Ici, on a des colonnes, mais avec une vis dedans. Et même chose pour les trois autres sur les côtés. Il y a les écrous. Ça. Ensuite, on va parler de mes petites bobines de fil. Donc celles-là, je les ai payées 20€ sur Amazon. Donc plusieurs couleurs, t'as noir, jaune, bleu, rouge, vert et blanc. Et en fait, t'as des petits trous à l'avant pour pouvoir faire ressortir les fils. Et en fait, dès que t'as besoin d'un fil, tu prends, tu tires comme ça et hop, tu coupes. C'est très pratique. Pour le moment, j'en ai pas encore eu l'utilité, mais très prochainement, j'ai commandé des connecteurs PH2.0. Le connecteur que j'ai besoin pour mon drone, c'est-à-dire celui-là. Et en fait, ce connecteur, il s'est brisé à l'intérieur, c'est pour ça qu'on voit plus le fil rouge. Et donc j'en ai recommandé, mais donc ça arrive qu'en septembre, dans un mois. Donc pendant un mois, je ne vais pas pouvoir voler parce qu'il manque de connecteurs. Pour continuer dans la vidéo, on va parler de ma gaine thermo que j'ai même pas encore ouverte. Plein de tailles, comme vous pouvez le voir, de la plus petite donc qui est ici à la plus grande qui est celle-là, je crois. Je vais toutes les déballer et je vous montre ça juste après. Après 5 bonnes minutes, voire plus 7 bonnes minutes de galère, j'ai enfin réussi à enlever toutes les gaines dans leurs petits emballages en plastique et je leur ferai pas. Je leur ferai pas, c'est beaucoup trop chiant. Surtout les toutes petites ici. C'est une galère monstrueuse à rentrer dedans. Monstrueuse. Ok, donc pour la suite, on va parler de ce qui est sûrement le plus intéressant de cette vidéo. Les petites IMAX Avan Rush. Nos petites hélices. Donc, comme je vous disais, j'ai changé d'hélice, donc j'ai pris les IMAX Avan Rush, donc les hélices rouges comme ça. Et je les ai montées sur mon drone, ça rend bien, comme ça. Et j'ai vu quelques vidéos qui parlaient de ces hélices, et ces hélices, elles ont juste l'air, j'ai pas regardé c'est quoi le pas de l'hélice, donc l'inclinaison de la pale en elle-même.
Et donc, mais elles ont l'air d'avoir un plus grand pas que mes Gem Fan Flash 2540, qui créent beaucoup trop de vibrations, clairement. Et donc, les gens disent que celle-là est mieux. Donc, je pense que je vais essayer celle-là. Comme je vous l'ai dit, quand j'aurai réparé mes connecteurs. Je suis en attente, donc là j'ai commandé, j'ai plusieurs choses que j'ai commandées. J'ai commandé une Taranis QX 7, donc ça je devrais la recevoir. J'ai aussi commandé un Pro DVR, donc pour pouvoir enregistrer mes vols, qui est juste là. Et j'ai commandé aussi des patins d'atterrissage ici, parce que, regardez, je vais vous montrer ça. En fait, le mien ici s'est cassé, comme on peut voir. Donc j'en ai commandé deux rechanges. Ça vient en paquet de deux, ça coûte 2€ et j'ai commandé des patins d'atterrissage pour mon drone parce que ceux-ci ont cassé, comme je vous l'ai montré. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu, vous abonner, la cloche des notifications, le partage, les pouces bleus surtout. Ça, il ne faut pas oublier. Les commentaires. Il ne faut pas oublier le commentaire. Et donc, c'était Lucas, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Peace! C'est joli, hein, j'aime bien le lancer. J'aime bien lancer les choses. Ouais. Une de ces trois-là. Boum. Ça part dans le bêtisier, ça. Okay. Ah, mais ça arrive toujours. Je sais, c'est vrai que non, je t'ai dit. Mais laisse-moi parler. Ok. Attends. D'accord. Pourrais-tu te mettre dans la vidéo parce que ça tourne encore là. Juste entendre parler. Ouais. Oui. Dans le bêtisier à la fin. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Merde. Tu mettrais ça, mais je foutrais ta tête. Film avec la Aerovit Black. Bonjour. Tu vois qu'elle a coupé ça là. Ça part au bêtisier. Ok. Oh, on est bien dans le lit. Voilà ce qui arrive quand un cadreur est enrhumé.